Maintenant, le dernier ingrédient, une bouffée de souffle de chauve-souris. J'ai réussi, Azrael! Mon miroir magique est terminé. Quand je l'aurai placé dans la forêt, aucun schtroumpf ne pourra résister à la tentation de s'admirer. Et à ce moment-là... ils sont en mon pouvoir. Ça marche! Bientôt, tous les schtroumpfs seront entre mes mains! Azrael, horrible sac à puce teigneuse, tu n'aurais pas dû regarder! Laisse les schtroumpfs commettre cette erreur! Et maintenant, à la forêt! Et n'oubliez pas, ce n'est pas de schtroumpf et la victoire qui est important, c'est de participer! Schtroumpfle! Mon miroir, il est cassé. Tu n'as pas schtroumpfé, c'est l'équipe de schtroumpf maladroit qui a gagné. Ça, ça m'est égal. Je ne veux plus schtroumpfer avec vous. Ouh, on schtroumpfera mieux sans toi. Cet endroit est tout à fait ce qu'il me faut. Ces horribles petites pestes bleues ne vont pas tarder à se montrer. En attendant, nous allons les guetter de l'intérieur de mon miroir magique. Tais-toi! Ils m'ont schtroumpfé mon miroir. Ils vont voir de quel bois je me schtroumpf. Quoi? Un miroir? La taille idéale pour un schtroumpf au physique avantageux. Un schtroumpf mort à l'hameçon. Je suis schtroumpfement élégant. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Tu es à l'intérieur de mon miroir magique, misérable vermisseau bleu. Je suis dans de bons schtroumpfs. Lâchez-moi, lâchez-moi tout de suite. Sorcier débile, sénile et espèce de... Tiens, mon premier schtroumpf. Non, pas tout de suite. Il faut d'abord capturer d'autres spécimens de ces petites créatures. Ils sont courageux et ils vont tenter de secourir leur ami. Nous pourrons nous faire un ragoût de schtroumpf. Un fixateur de potions magiques. Ah oui, voilà. Pour obtenir de bons résultats, il est indispensable de schtroumpfer dans le silence absolu. Ça schtroumpf bien, le silence est de mise dans ce laboratoire. Grand schtroumpf! Que se schtroumpf-t-il? Combien de schtroumpfs faudra-t-il répéter que je ne veux pas être dérangé pendant mon schtroumpf? Mais grand schtroumpf, le schtroumpf coquet a disparu. Il est allé dans la forêt cet après-midi et il n'est pas rentré de la soirée. Oh, c'est vrai? Oh, il faut partir à sa recherche. Ah, c'est une surprise! Oui, avis à la populace schtroumpf. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'aime pas les avis. Oui, tous les schtroumpfs doivent se présenter immédiatement devant le laboratoire du grand schtroumpf. Schtroumpfez bien vos oreilles. Le schtroumpf coquet n'est pas rentré de la soirée. Il a dû lui schtroumpfer quelque chose. Il a sûrement schtroumpfé quelque chose. Alors, schtroumpfette, schtroumpf à lunettes et schtroumpf maladroit vont survoler la région avec la cigogne. Les autres schtroumpfs, schtroumpfent avec moi. Nous schtroumpferons chaque centimètre de la forêt. Un pour schtroumpf et schtroumpf pour un. Un pour schtroumpf et schtroumpf pour un. Bonne chance! Bonne chance et schtroumpfez bien l'œil!
23 cuillerées de queue de vipère que l'on fait mijoter dans 2 tasses de salive de rat. C'est bon, t'es... Oh, t'as rien demandé. Tais-toi et tourne. Ça empeste à souhait ce petit ragoût de derrière les fagots. Il sera tout à fait au point quand on y ajoutera l'ingrédient principal, un schtroumpf fraîchement capturé. Je t'ai dit de te taire, tu oses me défier, misérable petite peste. Il faut mieux retourner au village, la nuit va bientôt schtroumpfer. Le grand schtroumpf dit toujours que... Il faut retrouver le schtroumpf coquet, nous ne re-schtroumpferons pas au village avant. Oui, c'est justement ce que j'allais dire. Mais la nuit, tous les schtroumpfs sont gris. Regardez, j'aperçois quelque chose là-bas. Ah oui, je le vois. Viens, c'est un bien roi. Qu'est-ce qu'il peut bien schtroumpfer là, non? Moi, je sais pas. Mais le schtroumpf coquet était là, regardez. Attendez, rien ne sert de schtroumpfer. Ah ben, où est-ce qu'il s'est schtroumpfé? Oh, schtroumpf maladroit. Le miroir a dû avaler le schtroumpf coquet aussi. Alors il faut schtroumpfer à leur secours. Je m'y oppose formellement. D'autres peuvent schtroumpfer au héros si ça leur chante. Moi je... Ah, ça... Schtroumpf maladroit, où tu es? Je le dis pas parce qu'il pourrait me retrouver. Un peu de courage, Schtroumpf coquet. Le devoir nous appelle, enfin. Oh, attention! Les 3 arbres monstrueux marchent vers nous. Quel fumet délicieux. Le schtroumpf coquet, il est dans de beaux schtroumpfs. Je sens d'autres schtroumpfs, Azrael. Tiens-toi prêt, Azrael. Alors on essaie de s'échapper. Azrael! Schtroumpf qui peut! Oh, raté! Demi-schtroumpf! Azrael, vieux sac à puce, descends de là tout de suite! Oh, mais... Azrael, je vais te faire rôtir à petit feu. Azrael, attrape-les, attrape-les! On peut sortir par là! Ça prie Schtroumpf! Un coup de chance! Je croyais ma dernière Schtroumpf arriver! Non, 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 pas la peine! Tu ne pourras pas sortir par là! Quelle bonne surprise! Je crois que nous allons pouvoir déguster notre ragoût de Schtroumpf, Azrael! Écarte-toi, Azrael. Je vais régler le compte de ces schtroumpfs une bonne fois pour toutes. Sapri Schtroumpf, je crois qu'on les a retrouvés. Grand Schtroumpf! Schtroumpf qui peut voir la gamelle! Schtroumpf, où êtes-vous? Misérable vermine! Schtroumpf! Schtroumpf! Mais où sont-ils? Ils ont disparu! Et mon miroir magique est brisé! Je ne peux plus les supporter! Je me vengerai! Je me vengerai! Merci! Merci, merci à tous! Vive le Schtroumpf coquet! Ouais! Ouais! Grave, voilà un cadeau pour toi, pour te montrer qu'on est schtroumpfement content de te revoir. C'est pour moi. Oh, oh, je suis touché, schtroumpfarceur, très touché. Un miroir tout neuf. Oh, merci, schtroumpfarceur. Ah non! Regardez!
mais ça, ça ne peut pas être moi, ce n'est pas possible. Oh, 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 oh non. Hommage à la Strumpf. Bon appétit, petit Schtroumpf. Vous ne mangez pas avec nous, grand Schtroumpf? Non, j'ai besoin de racines de forbes et malheureusement, on n'en Schtroumpf que dans la montagne. Je reviendrai dans quelques Schtroumpfs. Je Schtroumpf sur vous. Terminez bien les réparations du barrage pendant mon absence. Vous pouvez compter sur moi, grand Schtroumpf. Je... Au revoir! Au revoir! Oh, je suis toujours si émue par les départs. Au revoir, grand Schtroumpf. Moi, j'aime pas les au revoir. Vous avez entendu le grand Schtroumpf? Allez, au travail! Tout le monde au Schtroumpf, il y a le travail, c'est là! Toi, on t'a rien demandé. On n'a même pas déjeuné. Allez, Schtroumpf! Oh, j'ai une Schtroumpf de l'eau. J'ai dit que le travail, c'est la Schtroumpf et l'oisiveté est la Schtroumpf de tous les vices, d'ailleurs. Quand le grand Schtroumpf n'est pas là, c'est moi qui commande. Parce que moi, je suis le plus intelligent et le plus capable. Non, mais sans blague, Schtroumpf à lunettes, pour qui tu te Schtroumpf? Mais votre chef naturel. Notre chef. Notre chef. Ah, c'est vraiment trop drôle. Oh là là, c'est encore plus schtroumpfant que Mécano Surprise. Ah, si on se schtroumpf, ma tête. Bon, eh bien, je vais leur montrer, moi, de quel schtroumpf je me chauffe. Schtroumpf musicien, ta musique adoucit les schtroumpfs. Oh oui, tu veux que je schtroumpf un air de trompette? Je te remercie. Un artiste aussi exceptionnel devrait être schtroumpfé à de plus hautes destinées. Tu trouves? Absolument. Et c'est pourquoi je te nomme premier porte-parole officiel et imprescriptible du schtroumpfissime. Oh, merci. Qu'est-ce que c'est le schtroumpfissime? C'est moi. Va schtroumpfer cet air dans tout le village. Mais je suis trompettiste. Avis à la populace schtroumpf. Article 1er. Les Schtroumpfs doivent respect et obéissance au Schtroumpfissime, sinon... Le Schtroumpfissime? Mais c'est une plaisanterie! Allô? Ici je suis le seul à schtroumpfer les blagues! Vous voyez? Ouais, je trouve qu'il exagère le Schtroumpf à lunettes. T'inquiète pas, je vais la finir, merci. Le Schtroumpfissime? Je vais lui schtroumpfer de mon moi, cette espèce de... Schtroumpf à lunettes! Oui? Alors, quand le grand Schtroumpf est parti, tu crois pouvoir schtroumpfer ce que tu veux? Tu es complètement schtroumpfé? Oui, en effet, puisque tu en parles, c'est vrai, tu as raison, tu as tout à fait raison. Je n'en sortirai pas seul, d'ailleurs, j'ai besoin de quelqu'un comme toi, vois-tu? Hein? Comme moi? Ah oui, absolument, quelqu'un qui a ton dynamisme, ta force, ton courage et ta grande intégrité. Et je te propose un poste de confiance, vois-tu? Un poste de confiance? Je te nomme grand général, colonel, commandant et capitaine en chef de la garde personnelle du Schtroumpfissime. Toi et toi, à l'intérieur. Prenez-vous pelles et vos pioches et suivez-nous. Nous allons schtroumpfer un palais pour notre illustre schtroumpfissime. Un palais? Il est malade, on n'a pas que ça à schtroumpfer, non? Nous devons terminer les réparations du barrage. S'il veut un palais, il n'a qu'à se le schtroumpfer lui-même. Absolument. Au travail. Je savais qu'ils allaient schtroumpfer à mon appel. Avis à la populace Schtroumpf. Rassemblement. Voici votre maître vénéré, le Schtroumpfissime.
Les Schtroumpfissimes. Oh non, c'est vraiment incroyable. Mon bon peuple Schtroumpf, c'est en travaillant d'arrache Schtroumpf que vous avez pu schtroumpfer ce palais tout à fait digne de mon rang. Merci à mes fidèles Schtroumpf, je suis fier de vous. Hurrah, vive le Schtroumpfissime. Oui, mon chien, il est seul, il est seul. J'ai un cadeau pour toi. J'espère que ce cadeau est digne d'un général colonel commandant capitaine en chef. Mais oui, surprise, tu vas en être soufflé, ouvre-le. Ah. Ah, c'est comme ça, on veut se tromper au plus malin. Bon, en prison tout de suite. En prison. Oui, Schtroumpfissim, comme je vous le dis, j'ai ouvert la boîte. Et le canon a explosé. Tu sais bien que c'est la blague préférée du Schtroumpf farceur et donc un peu le sens de l'humour. Schtroumpf farceur, tu es libre. Merci, Schtroumpfissim. Tiens, j'ai un cadeau pour toi. Oh, mais c'est très gentil. Qu'est-ce que c'est? Silence! Qu'on le Schtroumpf en prison. En prison? Ah non, attends. En prison? Quoi? Dites, c'est une blague, hein? Dites, c'est bien une blague que vous me schtroumpfez. C'est pas une blague? Libérez Schtroumpf farceur. Alors, circulez, Schtroumpfez chez vous, chauffez. Schtroumpfez chez vous. Ça ne peut pas schtroumpfer comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, là? Mais c'est affreux. Il faut absolument schtroumpfer une solution. Toute une bande dans la forêt. Ne reste pas planté là, Schtroumpf le rassemblement. Tout de suite. Je vais mettre fin aux agissements de ces insoumis. Ils vont me le schtroumpfer cher. Je suis tout de même le schtroumpfissime. Et maintenant, que fait-on? Moi, je propose de voter. Et moi de faire une petite sieste. Et moi de schtroumpfer à morse. Et toi, le schtroumpf maladroit? Moi, je dirais... Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Regardez là, ce que le schtroumpf ici, il vient d'ordonner à ses troupes. Il nous attaque? Non, pire que ça. Il fait construire une palissade autour du village pour nous empêcher de rentrer. Plutôt pour empêcher les autres de sortir. Autrement dit, c'est la guerre. Moi, j'aime pas la guerre. La guerre, c'est affreux. Malheureusement, nous n'avons pas le choix. Attention les voilà, n'oubliez pas, vous devez vous battre jusqu'au dernier Schtroumpf. Attention Schtroumpf, ouvrez le feu. Ah c'est bon, c'est des tomates. Continuez, visez juste surtout. Bah ouais, vous m'oubliez ou quoi? Moi j'aime pas les tomates. Sauf si elles sont fraîches. Non, arrêtez pas! La victoire en schtroumpfant! Ah non, c'est pas juste, ils ont schtroumpfé les échelles! De la glu! Je suis collé, dit! C'est drôle comment on peut s'attacher à ces choses-là! Moi, j'aime pas la glu! Mais je vais coller quand même! Si! Ah! Bravo, plus Schtroumpf sans la chute. Chargez!
Exploitez cette brèche, repoussez l'ennemi, faites schtroumpfer la réserve. Arrêtez! Mais arrêtez, arrêtez! Le grand schtroumpf! Déjà, le grand schtroumpf! Vous devriez avoir schtroumpf de votre conduite. Vous avez agi comme des humains. Regardez, notre village n'est plus qu'une ruine. Où en est le barrage? Le barrage! Prenez tous vos pelles et vos pioches. C'est une question de schtroumpf ou de mort. Et ne restez pas plantés là. Je vais essayer d'ouvrir la vanne. Oh, il s'est effondré. Vous avez de la schtroumpf, que les dégâts ne sont pas plus importants. Vous avez tous eu une conduite stupide, vraiment. Je ne suis pas fier de vous, schtroumpf. Je suis désolé, pardonnez-moi, grand schtroumpf, et vous tous aussi. Je me rends compte à présent qu'il ne faut pas vouloir schtroumpfer plus haut que son schtroumpf. Je vais réparer le mal que je vous ai schtroumpfé. Attends, nous allons t'aider. Oui, nous sommes tous responsables. Oui, vous me lavez de la bouche. Et c'est frusque, grand schtroumpf, qu'est-ce qu'on en fait? Oh, ça va nous être très précieux, schtroumpf coquet. Viens donc, nous allons nous en servir utilement. Grand schtroumpf, qu'est-ce qu'on pourrait schtroumpfer pour la fête des schtroumpfs? C'est un grand schtroumpf, le schtroumpf de la fête des schtroumpfs. Il faut que ce soit schtroumpf. On pourrait schtroumpfer un grand défilé? Moi, j'aime pas les défilés. Oh, si on schtroumpfait un feu d'artifice? Moi, j'aime pas les feux d'artifice. Ou un bal? Oh, on pourrait schtroumpfer sous les lampions. Moi, j'aime pas les lampions. Pas de feu d'artifice, pas de défilé, pas de bal. Qu'est-ce que tu veux schtroumpfer pour la fête? Moi, j'aime pas les fêtes. On pourra dire ce qu'on veut sur le schtroumpf grognon, mais moi, je peux vous assurer qu'il a un cœur. De pierre, oui. Et si nous schtroumpfions tous un énorme gâteau? J'aurais quand même pu y penser. Faut de la farine. Moi, j'ai du lait. Attention, voilà le miel. Bon, alors nous avons de la farine. Du lait. Le schtroumpf maladroit s'occupe du miel. Il nous manque un œuf. Regarde, Azrael. J'ai réussi à créer un œuf magique. Je vais le laisser refroidir et ensuite, quand je frapperai sur cet œuf, tout ce que je dirai, tout ce que je voudrais, se réalisera immédiatement. Je vais enfin pouvoir me venger de ces misérables schtroumpfs. Gargamel, grosse bouffe à faim. Oh, par Belzébuth. Vite, Azrael, le placard. Grosse bouffe à faim. Grosse bouffe et bien chute. Grosse bouffe, il aime bien les œufs. Trop chaud, mangerai plus tard. Oh, non! Il a pris mon œuf magique, Azrael! Il faut le récupérer. Grosse bouffère, petite sieste, mangera l'œuf plus tard. Je l'entends, Azrael. Secoue-toi un peu. Cette grosse baleine est bien trop stupide pour... Ah! Mais tu prends mon œuf. Oh, secours. Oh, non, Azrael. Oh, non, fais quelque chose. Mon œuf. L'œuf s'en va tout seul. Oh, c'est épouvantable. Je ne schtroumpfe d'œuf nulle part. Le grand schtroumpf a dit que pour schtroumpfer un beau gâteau, il fallait schtroumpfer des œufs. Il y a certainement un œuf près du village. Le grand schtroumpf ne se trompe jamais, enfin. Oh, regardez. À la forme, je dirais que c'est un œuf. Il est schtroumpfement grand, cet œuf.
On pourra faire un gâteau schtroumpfant pour la fête des schtroumpfs avec cet œuf. Moi, j'aime pas les œufs. Où est mon œuf? Grosse bouffe veut son œuf. C'est grosse bouffe. Oh, il est absolument monstrueux. Par ici. Grosse bouffe veut son œuf. Grosse bouffe a faim. Il veut son œuf. Il est parti. Il est... Azrael! Gargamel! Gargamel! Cet œuf se trouve certainement par ici. Où est l'œuf de grosse bouffe? Je veux mon œuf! Pas la peine de traîner par ici, Azrael. Ils sont partis. Oui. On peut schtroumpfer cet œuf au village. Oh, j'ai si peur de cet horrible gargamel et du monstrueux grosse bouffe. Il pourrait revenir. Oh, comme mon cœur bat, je voudrais bien qu'on soit tous revenus au village. Hey, bah, où est-ce que vous vous schtroumpfez? On sait pas, on était là pour la... C'est vrai, comment on est revenu ici? Vous voilà déjà, non, d'un schtroumpf. Où vous avez trouvé cet œuf? Je ne sais pas, il schtroumpfait de la colline et alors... Non, c'est pas du tout, on comprend pas. Attendez-vous, nous avons un gâteau à préparer. Schtroumpfez-moi une cuillère. Voilà, grand schtroumpf. Oh, il est solide, cet œuf. Qu'est-ce que c'est que cet œuf? Je vais vous le schtroumpfer, moi, cet œuf. Je ne casse pas cet œuf, je veux bien être changé en saucisse. Mais je suis une saucisse! Je suis une saucisse! Il est devenu une saucisse, lui. Il a fait un vœu, il a cogné l'œuf, et ensuite... mais oui, cet œuf est magique! C'est un œuf magique! Je vais essayer. Moi d'abord. Moi j'aime pas les œufs magiques. On va essayer, on va faire des bœufs. Je veux être riche. Regardez-les. Je voudrais être rose avec des petites fleurs bleues. Je veux un énorme tonneau de salsa parrain. Je veux devenir le meilleur trompettiste du monde entier. Je veux devenir grand schtroumpf. Je veux être grand schtroumpf, moi aussi. Non, c'est moi qui dois être grand schtroumpf. Je suis plus schtroumpf. Non, schtroumpf, il faut que j'arrête ce désastre. C'est pas juste, j'étais grand schtroumpf avant toi, alors schtroumpf-toi de là, toi. Non, après toi. Je suis le plus schtroumpf, c'est à moi d'être grand schtroumpf. Imposteur, si vous, vous êtes moi, alors moi je veux bien être un sage. À mon tour, je trouve paresseux. Ce n'est pas un vrai, tiens. Je veux que tu attrapes une tête à faire peur. Oh non, mon beau visage est défiguré. Oh, je veux que tu aies des grandes oreilles, une longue queue et tout plein de poils partout. Mes pauvres schtroumpfs, dans quel état sont-ils? Quelle catastrophe! Cet œuf a des pouvoirs maléfiques, mais personne ne veut m'écouter. Il faut que je le fasse disparaître avant qu'il soit trop tard. Moi, je vous dis qu'il faut cacher cet œuf et faire des vœux chacun notre tour, voyez-vous? Oui, on va le re-schtroumpfer rien que pour nous. Il a disparu. Bon, il va falloir que je schtroumpfe un autre moyen. Bonjour, grand schtroumpf. Et re-grand schtroumpf. Et re-grand schtroumpf. Qu'est-ce que tu fais là, schtroumpf maladroit? Je voudrais bien que tu grandisses un peu en sagesse. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Oh, sauf qui schtroumpf. Mais qu'est-ce qui se passe, schtroumpfette? Mais pourquoi vous êtes si petite? Grand schtroumpf! Grand schtroumpf! L'antidote, il doit bien exister. Grand schtroumpf! Mais tu n'es pas le grand schtroumpf? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Le grand schtroumpf ne serait pas content si le schtroumpf fait que tu étais là. Allez, dehors, dehors! L'œuf de grosse bouffe. Grosse bouffe est content. Les schtroumpfs ont rapporté l'œuf. Des
le grand Schtroumpf va schtroumpfer d'une minute à l'autre. Et maintenant, à moi laissant ce Schtroumpf. Tu vas voir quand le grand Schtroumpf apprendra ça. Oh, grand Schtroumpf! Grand Schtroumpf! Mais je croyais... Vite, Schtroumpfette, il faut retrouver cet œuf magique avant qu'il ne schtroumpfe d'autres désastres. Cet œuf est certainement quelque part par là. Ne cherche plus Azrael, je l'ai trouvé. Bonjour, grand Schtroumpf. Bonjour, grand Schtroumpf. C'est le Schtroumpf de la fête des Schtroumpfs, grand Schtroumpf. Où est-il, cet œuf magique? Grand, on va vous schtroumpfer. Schtroumpfer avec nous, il est par là. Azrael, mon œuf magique, enfin! Je vais me venger. Je vais me débarrasser de ces sales petits Schtroumpfs une fois pour toutes. Alors, par quoi commence-t-on, Azrael? Qu'est-ce que tu dirais de Schtroumpf sur un plateau? Apporte-nous deux Schtroumpfs sur un plateau. Qu'est-ce que c'est, ça? J'ai commandé les Schtroumpfs, pas ces vieilles choses abjectes. Mais qu'est-ce que c'est que ces vieilles choses? Qui est abject? Œuf magique, apporte-moi un joli petit... Non, 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 non. Apporte-moi le plus grand Schtroumpf qui puisse exister. Quelqu'un pourrait-il me schtroumpfer ce qui m'arrive, là? Bonjour, grand Schtroumpf. Je vous jure, je voudrais bien redevenir... Non, ne schtroumpf pas un mot de plus. Œuf magique, je veux que tout redevienne comme avant. Bien. Après tout ce que j'ai vu aujourd'hui, il ne me reste plus qu'un vœu à schtroumpfer. Oh, bravo, grand Schtroumpf. Encore un vœu. Vous avez été si égoïste, si ridicule, si plus schtroumpf quand vous avez formulé tous vos vœux que je veux que cet œuf magique disparaisse maintenant et qu'on ne le re-schtroumpfe plus jamais. Oh, yeah. Enfin, je suis content que tout soit schtroumpfé. Gâteau ou pas gâteau, nous avons un schtroumpf à fêter, souvenez-vous. Regardez ce que j'ai trouvé, c'est schtroumpfement intéressant, non? Oh non! Oh, on peut de nouveau schtroumpfer des vœux à notre œuf magique. C'est moi qui commence. C'était un cadeau pour vous, hein. J'ai pas connu une telle sécheresse depuis schtroumpfement longtemps. Mes cultures pourront pas schtroumpfer encore longtemps, non? Enfin, ça peut être pire, hein. Il va se fader. Oh, il fait trop chaud pour dormir. Oh, la pire, c'est qu'il fait trop chaud pour manger. Enfin, presque. Je sais comment supporter cette chaleur. Je vais schtroumpfer un grand jus de framboise, mais personne ne profitera de ces idées géniales. C'est comme ça, moi. Oh, non. Ah, mais il n'y a plus de framboise. Et qui dit pas de framboise, dit pas de jus de framboise. Si cette formule est efficace, elle agrandira les petits nuages et nous pourrons espérer avoir un peu de pluie sur la région, enfin! Gentil, mignon! Attends, une seconde! Si je peux atteindre l'antidote, je pourrais... Bon, mon agrandi schtroumpf est au point, en tout cas. Essayons-le sur les nuages. Cette potion doit certainement schtroumpfer sur les framboises. Je vais en prendre une toute petite goutte seulement. Schtroumpf costaud, oh, c'est vraiment très gentil de ta part d'enlever ces cailloux de mon jardin. Fait une telle chaleur.
j'avais fait ce travail, je me serais effondrée. Au revoir. Et moi, le jus de framboise bien sucré, je ne le partagerai avec personne. Il faut que je recommence tout. Oh. Et, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ou alors c'est la chaleur, ou alors je rêve. Oh, oh non, je ne schtroumpfe pas. Et grand schtroumpf! Comment j'avais fait? Une goutte de salsepareil, une bonne larme de sueur de drapeau. Grand schtroumpf! Méfions-nous, voilà quelqu'un. Grand schtroumpf, c'est moi, le schtroumpf costaud. Ouvrez, s'il vous plaît. Schtroumpf costaud, ce n'est pas la peine de faire aussi grand bruit. Aussi grand bruit. C'est un monstre. Le schtroumpf à lunettes, tu sais où est le grand schtroumpf? J'ai besoin de lui. Je me reposais un peu au bas de la colline des framboises et... De la colline des framboises? Eh oui, et tout à coup quelque chose, mais je me fais dessus et puis... Quelque chose? Comme de la poudre? Oui. Oh, il faut que je prévienne le grand schtroumpf pour qu'il me re-schtroumpfe ma taille normale. Attends, pas la peine de déranger le grand schtroumpf pour ça. Hein? Oui, c'est vrai. Regarde autour de toi. Tu peux faire des tas de choses qui sont irréalisables pour nous, comprends-tu? Mais oui, c'est vrai. Tu es devenu le schtroumpf le plus fort du monde. Mais c'est vrai. Je vais pouvoir schtroumpfer tous les cailloux du jardin de la schtroumpfette en quelques secondes. Oh, ne vous en faites pas, Schtroumpfette. Ce n'est pas grand-chose pour un grand Schtroumpf. Schtroumpf à lunettes, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, effectivement, c'est encore un mystère de la nature. Et voilà, Schtroumpfette, ça vous plaît? Oh, et ma bisou! Oh, je ne connais pas encore bien ma force. Il vaut mieux prévenir le grand schtroumpf. Attendez, le grand schtroumpf est occupé par de grandes tâches. Il ne faut pas l'ennuyer avec nos petits problèmes, voyez-vous. Oh, nos petits problèmes? Maintenant, je vais schtroumpfer une chose qui devrait vous faire plaisir. Je vais capturer Gargamel. Schtroumpf costaud, attends! Non, ne va pas chez Gargamel, il est terriblement dangereux. Plus maintenant, il a enfin trouvé quelqu'un à sa taille. Ne vous schtroumpfez pas pour moi, je sais ce que je fais. Je vais lui schtroumpfer une bonne leçon. Ça suffit comme ça. Moi, je vais prévenir le grand schtroumpf. Oui, on va prévenir. La gourmandise est vraiment un vilain défaut. Oh, je ne supporte pas ce temps. Cette chaleur, ce soleil, ce ciel bleu. C'est par un temps pareil que les schtroumpfs s'en donnent à cœur joie. Ouais. Si seulement je pouvais mettre la main sur un de ces misérables petits monstres, je vais la faire virer au vert, moi, cette vermine bleue. Ah, ça suffit, tant de poils. Je t'ai déjà dit de ne pas me déranger quand je m'apitoyais sur mon sort. Qu'est-ce que c'est que... J'ai la berlue, quoi. La fête est finie, Gargamel. Schtroumpf, tu es peut-être grand, mais je suis quand même plus grand. Et alors, tu es fait? Non, mais petit vermisseau. Ne gaspille pas ton souffle à appeler à l'aide. Je te ramène au village. Tu es mon prisonnier. Non, mais qu'est-ce que c'est à ton village? Tu as entendu? Allez, en route. Ah oui, je suis battu, pitié, ne me faites pas de mal. Oh, pourvu que j'arrive à me sauver avant qu'il attrape le gros sac accroché au mur. Maintenant, je vous tiens tous les deux. Oh oui, tu es le plus fort. Ce sera elle, joue la comédie. Cet imbécile nous emmène gentiment au village des Schtroumpfs. Oh.
Et la catapulte est prête, grand Schtroumpf. Parfait, parfait. Nous allons voir si nous pouvons agrandir suffisamment ces nuages pour qu'il pleuve. Grand Schtroumpf, grand Schtroumpf, grand Schtroumpf, c'est épouvantable. Schtroumpfette, qu'est-ce qui se passe? Le Schtroumpf costaud, il est devenu géant et... Géant? Oui, et il est parti s'emparer de Gargamel. Quelqu'un a dû schtroumpfer la formule de mon agrandi Schtroumpf. Il faut re-schtroumpfer au village. Oh, quel catastrophe! C'est vraiment terrible. Et tout ça est ma faute. Ta faute? Oui, tout s'explique. J'aurais dû m'en douter. Quand le grand Schtroumpf va schtroumpfer la nouvelle... Hé, les Schtroumpfs! Vos problèmes sont terminés. Regardez ce que je rapporte. Je vous ramène Gargamel et Azrael. Gargamel et Azrael? Je les ai schtroumpfés en un tournemain sans le moindre problème. On va leur schtroumpfer une bonne leçon. Tu n'auras jamais plus envie de nous schtroumpfer de la vie. Hein? Pas juste! Posez-moi tout de suite! Attrape les autres, Azrael, secoue-toi! Allons! Grand Schtroumpf, mais qu'est-ce que vous allez faire? Cette potion nous a créé un problème, elle va peut-être nous permettre de le résoudre. Brave Schtroumpf, il va falloir faire très vite. Voilà ce que je propose. Écoute ça, je vais me venger, moi. Azrael. Coucou, par ici. Je parie que tu peux pas m'attraper. Oh, mais il te tourne en ridicule, Azrael. Tu n'es pas capable d'attraper ces vers de terre. Azrael, nous sommes là. Prêt, les Schtroumpfs? Sautez. Azrael, ne les laisse pas s'échapper. Misérable sac à puce, fais quelque chose. Ne t'inquiète pas, tu me le paieras très cher et pas plus tard qu'au dîner. J'ai décidé de garder tous ces petits schtroumpfs pour moi tout seul. Azrael, qu'est-ce que... Non, Azrael, non, arrête de plaisanter. Non, je te laisserai quelques bons petits schtroumpfs. Beaucoup de petits schtroumpfs. Je te dis que je plaisantais, j'ai jamais voulu garder les schtroumpfs. Pas moi, la manière. Regarde là, ça me fait rire. Mais je sens que je vais bientôt pleurer. Costaud, cet antidote va te permettre de re-schtroumpfer une taille normale. Ah, merci, grand Schtroumpf. Être grand, c'est Schtroumpf pendant un moment, mais l'heure est un peu frais là-haut. Quant à Azrael, l'effet de la potion finira par disparaître, mais pas avant d'avoir chassé Gargamel si loin qu'il sera incapable de retrouver le village. Et maintenant, il est temps de mettre un peu d'ordre ici. Schtroumpf à lunettes! Je suis là, grand Schtroumpf. À votre service, grand Schtroumpf. Grand Schtroumpf, vous ne pourriez pas préparer une autre potion qui permette de nettoyer le village instantanément? Et comme ça, je pourrais l'utiliser. Une autre potion? Moi, j'aime pas la potion. Tu n'as pas honte, Schtroumpfelunette? Non, mais je plaisantais. Au secours, grand Schtroumpf! Au secours, grand Schtroumpf! Le Schtroumpf à lunettes n'est pas prêt de re-schtroumpfer avec ses proverbes. Non, il ne lui restera plus assez de souffle pour parler. Au secours. Attention, tous ensemble. Oh, Is. Moi, j'aime pas les Is. Tu veux bien me tenir ma boîte à outils, Schtroumpf maladroit? Bien sûr, plaisir. Il me faudrait du pollen de ma fleur des neiges pour l'empêcher de trop enfler. Oh là!
Il y en a dans mon laboratoire. Ne bougez pas, grand Schtroumpf. Je vais vous le chercher, n'est-ce pas? Schtroumpf à la droite, tout ça c'est de ta faute. Tu ne schtroumpfes jamais attention à ce que tu schtroumpfes. Va chercher le pollen ou le grand Schtroumpf va être très en colère. Très en colère? Hé, voilà un grand Schtroumpf. J'ai fait aussi vite que j'ai Schtroumpf. Ça va, merci, je m'en le cul pour voir. Qu'est-ce que tu dis? Je vous l'apporte, grand Schtroumpf, tout de suite, n'est-ce pas? Eh mais grand Schtroumpf a du dette, c'est pas juste ça, c'est... Ça me fait plaisir. Et moi, je l'ai pas eu. Mais ne vous inquiétez pas, grand Schtroumpf. Je vais vous rechercher du pollen aussi vite que Schtroumpf et Schtroumpf font Schtroumpf. Mais il n'y a qu'une fleur des neiges dans le monde entier. Elle ne fleurit qu'une seule fois par an. En fait, elle fleurit justement cette saison. Dites-moi où elle est, j'y cours, j'y Schtroumpf. Je savais que je pouvais compter sur toi, Schtroumpf à lunettes, parce que la fleur dont j'ai besoin pousse au sommet de la montagne de glace. La montagne de glace, oui. Attention, n'oubliez pas, vous ne devez pas cueillir la fleur, uniquement recueillir le pollen. Comme cela, la fleur pourra re-schtroumpfer chaque année. Schtroumpfer sur nous. En avant, Schtroumpf. Au revoir. Au revoir. Bon voyage. Votre courage entrera dans l'histoire des... Schtroumpf costaud, mais j'ai soif, moi. J'ai oublié d'arrêter le robinet de la baignoire, Schtroumpf. Je n'ai pas fait mon lit, il faut que je rentre au village. T'affole pas comme ça, Schtroumpf à lunettes. Il n'y a absolument rien à craindre, mais rien du tout. J'ai l'impression que quelqu'un nous schtroumpfe depuis un moment. Schtroumpfe? Ah, alors c'est impossible. Je ne sais pourquoi, mais cet endroit me donne la schtroumpfe de poule. Oh, on récupère le pollen et on file d'ici tout de suite, je ne suis pas rassuré. Oh, regardez, la voilà. Oh, comme elle est belle. La dernière arrivée là-haut, il est un schtroumpf, d'accord? Oh, bah qu'est-ce qu'il a bien pu faire cet énorme trou? Aucune idée. Et moi, je ne tiens pas du tout à le savoir, n'est-ce pas? Oh, prenons le pollen et repartons tout de suite. Cet endroit est sinistre. Allez-y. Faites attention, surtout. Je ne suis pas assez grand. Je suis la plus légère de toutes. Vous allez me schtroumpfer. Assez risqué, schtroumpfette. Il vaut mieux pas prendre de risques. Mais si, je vais essayer. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, la schtroumpfette, elle est schtroumpfée. Nous ne vous oublierons jamais, schtroumpfette. Le moins qu'on puisse faire, c'est schtroumpfer le dernier vœu de la schtroumpfette et rapporter cette fleur au grand Schtroumpf. C'est inutile, hein? On est pris au piège. Pris au piège? Mais je l'avais dit, n'est-ce pas? Grand Schtroumpf! Ne nous énervons pas! Il faut schtroumpfer un moyen de prévenir le grand Schtroumpf. On pourrait peut-être lui envoyer des schtroumpfs de fumée. Ils en mettent un temps. Qu'est-ce qu'ils schtroumpfent? Ils devraient déjà être revenus. Tu veux bien arrêter, toi? Oh oui, excusez-moi, grand Schtroumpf. Grand Schtroumpf, regardez! Des schtroumpfs de fumée, ça vient de la montagne de glace. Les schtroumpfs ont besoin d'aide. Vite, montrez-nous, schtroumpfez-vous! Je vous en prie, ne me gardez pas ici. Je veux retourner auprès de mes amis. Écoutez, je ne suis pas du tout comme vous et je ne peux pas vivre ici. Laissez-moi partir. Ne pleurez pas. Vous êtes très gentil, merci. Mais je suis désolée, je suis gelée.
un cornet. Si seulement le grand Schtroumpf était là. Si seulement le grand Schtroumpf était là. Sans oublier la Schtroumpfette. Vite, Schtroumpf qui peut. C'est malin, maintenant il est vraiment en colère, ça. Et nous, on est vraiment pris au piège. Notre seul espoir, c'est de le tenir à distance. On le schtroumpf par surprise. À la schtroumpf! Allez-vous-en! 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 Joli travail, les schtroumpfs, nous y sommes presque. Arrêtez! Voilà l'endroit où aurait dû pousser la fleur. Mais elle a disparu. Les autres schtroumpfs aussi? D'après ce que je vois, il y a eu une avalanche par ici. Et nos amis schtroumpfs ont tous été emportés. Pauvre schtroumpf gourmand, nous n'entendrons plus jamais gargouiller son estomac. Et le schtroumpf maladroit ne me laissera plus jamais schtroumpfer une bûche sur le pied. Oh, c'est la schtroumpfette! Elle est vivante! Oh, la schtroumpfette! Grand schtroumpf! On n'a jamais été aussi content de vous voir! Tenez, on a réussi à vous trouver la fleur! Parfait! Maintenant, il faut sauver la schtroumpfette et je m'occuperai de mon pied en chemin! Des neiges, c'est la deuxième fois que vous me sauvez la vie. Oh, mais qu'est-ce qui est arrivé à votre petit pied? C'est ici. La schtroumpfette doit être à l'intérieur. Ne vous inquiétez pas, on va s'en occuper. Cette fois-ci, on la tient. Relâche ta schtroumpfette. Attention, arrêtez. Vous ne voyez pas que vous lui faites peur. Et ce géant, il est adorable. En fait, il est tout seul et il voudrait bien que je reste ici, moi. Créature des neiges, nous ne te voulons pas de mal, voyons. Le pollen de cette fleur va calmer la douleur de ton pied. Alors, tu vois, ces fleurs ne peuvent exister que dans la neige et dans la glace. Et la schtroumpfette, elle ne peut vivre que dans la chaleur de notre village schtroumpf. Comme la fleur des neiges, la schtroumpfette est unique au monde. Malheureusement, la fleur des neiges est perdue à tout jamais. Que ce qu'il nous faut. Je te remercie d'avoir accepté de partager avec nous. Nous reviendrons l'année prochaine quand elles refleuriront. Comme ça, nous pourrons nous revoir tous les ans, n'est-ce pas? Oui. Nous allons aujourd'hui schtroumpfer les braves schtroumpfs qui ont risqué leur vie en allant chercher la fleur des neiges. Nous sommes si heureux de les revoir parmi nous. Oh, bah, je vous croyais tous schtroumpfés. Moi, j'ai failli schtroumpfer de faim.
Encore un peu de gâteau. Encore un peu de sels pareil. Si ça peut vous faire plaisir. J'ai un cadeau pour vous, gros Schtroumpf, c'est une surprise. Marche. Eh oui, en dépit de quelques problèmes secondaires, c'est agréable de retrouver une vie normale. Vite, Schtroumpf maladroit, vite! Fais ce que je peux, moi je t'assure, moi je fais ce que je peux. C'est ça, Azrael, vas-y! Rendez-vous les Schtroumpfs! Cette fois, vous êtes à ma merci. Je pense qu'on est sauvé, Schtroumpf Coquet. Ne pense pas maintenant, allez, cours. C'est ça, allez-y, courez, petit nabot bleu. Vous me le paierez cher, très cher. Oh, grand Schtroumpf, grand Schtroumpf. On a bien cru que Gargamel allait nous avoir cette fois. Oh, pourvu que cette inquiétude ne m'ait pas donné une petite ride. Gargamel se fait bien insistant depuis quelque temps. Ça fait trois fois qu'il est sur le point de réussir en deux jours. En y réfléchissant bien, la vie serait quand même plus agréable si Gargamel n'était pas si méchant. La vérité sort de la bouche des Schtroumpfs. Schtroumpf maladroit, bravo, je sais ce qui me reste à schtroumpfer. Ah bon? Eh ben, je suis plus schtroumpf que je croyais. Deux gouttes de lait de dragon, une toile d'araignée frite. C'est l'onguent le plus délicat que j'ai eu à schtroumpfer. Il faut que ce soit schtroumpfant et assez doux pour que Gargamel soit plus gentil. Grand Schtroumpf a travaillé dans son laboratoire toute la nuit. C'est que ça doit être pénible d'être un chef. Enfin, c'est terminé. C'est mon onguent le plus réussi. Un filtre de gentillesse pour Gargamel. Ah bon. Moi, j'aime pas Gargamel. Grand Schtroumpf, c'est merveilleux. Et en plus, l'idée, elle est de moi. C'est pas vrai, Grand Schtroumpf? Attention! Oh, Schtroumpf maladroit, tu es tout mouillé! Moi, j'aime pas être tout mouillé. Au nom d'un petit Schtroumpf, tout ce travail, au lieu d'un filtre de gentillesse, j'ai schtroumpfé un échangeur de personnalité. Moi, j'aime pas les échangeurs de personnalité. Moi, je sais pas trop. Ça me plaît assez. Azrael, oh Azrael, je t'ai apporté un petit cadeau. Je te présente mon dernier plan infaillible pour attraper les Schtroumpfs. Admire, Azrael. Mais non, arrête! Tu es censé chasser les Schtroumpfs, pas les chats! Oh, pourvu que cet antidote fasse l'affaire, parce que maintenant, il ne me reste plus d'onguent. Ah, je suis bien content d'être devenu moi-même. Tu m'en veux pas, Schtroumpf grognon? Moi, j'aime pas le Schtroumpf grognon. Le Schtroumpf soit loué. Mes petits Schtroumpfs, j'ai travaillé un peu trop cette nuit. Il me faut du repos. Je vais entrer dans un sommeil hypnotique de trois jours. Mais en cas d'urgence, lisez ces mots à voix haute. Ça me réveillera. Sinon, je ne peux pas être dérangé. Bonne nuit, mes petits Schtroumpfs. Bonne nuit, grand Schtroumpf. Le grand Schtroumpf a toujours des bonnes idées. Oui, nous avons tous schtroumpfé durement ces derniers temps. Une petite seconde. Ne croyez pas que vous pouvez vous laisser aller parce que le grand Schtroumpf est en état d'hypnose, de travail avant le plaisir. C'est ce que je dis toujours. Et c'est pour cette raison que je vous confie une tâche à chacun d'entre vous et vous devez l'accomplir dans la joie. Il ne manque pas le Schtroumpf. Oh, eh bien, ils vont voir. Je vais observer ce que chaque Schtroumpf a schtroumpfé. Ou ne pas schtroumpfer, d'ailleurs. Comme ça, je pourrai tout dire au grand Schtroumpf à son réveil. Et pour que tous les Schtroumpfs ne puissent pas lire mon rapport, je vais le schtroumpfer en code. Qu'est-ce que tu écris, Schtroumpf à lunettes? Tu le sens bien assez tôt, Schtroumpf costaud. Oh, mais qu'est-ce qu'il écrivait? Je ne sais pas, et je n'aime pas trop ça. Ils n'ont pas coupé de bois pour le feu, mais évidemment. Eh bien, moi, je me ferai un bon feu ce soir pendant qu'ils gèleront. Oh, les Schtroumpfs m'ont bizarre son écriture. Fais-moi voir. Oh, c'est l'écriture du Schtroumpf à lunettes. Mais c'est écrit en code. Qu'est-ce qu'il mijote encore, celui-là? Je ne sais pas ce qu'il mijote, mais je peux vous dire qu'il m'a espionné. Moi aussi.
On devrait peut-être faire un peu d'espionnage à notre tour pour savoir ce qui se schtroumpf. Ah oui, bonne idée. Celui-là est trop grand. Il faudrait que je m'en trouve un plus petit, n'est-ce pas? Ah oui. Bon, toujours trop grand. Il a certainement un plus petit. C'était pas par ici, quand même. Le schtroumpf à lunettes est schtroumpfement bizarre. En ce moment, il fouine partout. Il s'occupe de ce que font les autres. Et maintenant, quand il écrit, c'est en code. Attention, qu'est-ce qu'il fait, hein? Ah, on dirait qu'il trace quelque chose qui part du village. Ou qui va. Ah, il faut que je trouve quelque chose qui puisse lui donner l'odeur des schtroumpfs. Si vous recommencez à vous disputer pendant mon absence, je vous transforme tous les deux en crapauds. Après, je ferai ma lessive. Je sais que le grand Schtroumpf va me féliciter d'avoir été le seul Schtroumpf à avoir fait quelque chose d'utile. Attention, voilà le Schtroumpf à lunettes. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Sûrement rien de bon. Oh, je t'en prie, Schtroumpf costaud, il suffirait de lui demander. Hé, Schtroumpf à lunettes, qu'est-ce que t'as dans ton sac? Rien qui puisse t'intéresser, Schtroumpf maladroit. Oui, mais nous, ça nous intéresse tout de même. Ah, si seulement je pouvais trouver quelque chose qui sente le Schtroumpf. Mais quoi? Est-ce que je peux être Schtroumpf? J'ai oublié d'apporter une brosse. Oh! Regardez, voilà le sac! Oui, mais où est le Schtroumpf à lunettes? Qu'est-ce que ça peut faire? Faut fouiller le sac. Oh! Gargamel! Quelque chose des Schtroumpfs, quelque chose des Schtroumpfs. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des vêtements de Schtroumpf! Mais c'est merveilleux! Absolument merveilleux! Exactement ce qu'il me fallait pour trouver le village des Schtroumpfs! Merci, mon petit Schtroumpf, d'avoir laissé ça ici! Merci! Vous avez schtroumpfé ce que j'ai schtroumpfé, moi? Oh, alors là, c'est incroyable! Le Schtroumpf à lunettes a laissé quelque chose à Gargamel! Quelque chose pour l'aider à trouver notre village! Alors voilà l'explication du comportement du Schtroumpf à lunettes. C'est un complice de Gargamel! Oh, un complice de Gargamel! Bah, vaut mieux réveiller le grand Schtroumpf, et vite! Le Schtroumpf à lunettes a caché le parchemin. Grand Schtroumpf, je vous en prie, réveillez-vous! Oh, c'est trop affreux, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il va falloir schtroumpfer ce problème sans le grand Schtroumpf. Mais je n'ai rien fait, je n'ai pas aidé Gargamel à trouver le village, voyons, je suis innocent. Mais oui, tous les coupables disent ça. On est obligé de te schtroumpfer ici jusqu'au réveil du grand Schtroumpf, au revoir. Il faut que je m'évade et que je prouve mon innocence. Mais voilà comment. Ah, si je pouvais atteindre la fenêtre. Oh, bien y avoir quelque chose. La catapulte du Schtroumpf bricoleur. Maintenant, il faudrait que je trouve une corde. Il y a sûrement une corde quelque part par ici, n'est-ce pas? Ah! Là! Une minute. Mais là, la porte était ouverte. Les esprits supérieurs ne peuvent pas être retenus longtemps. On a cherché partout, Schtroumpf costaud. Continue à chercher la formule. Il faut la trouver. Si je peux trouver le parchemin le premier, je réveillerai le grand Schtroumpf et je prouverai que je ne suis pas le complice de Gargamel. Et maintenant, au travail, sans les haillons de cette vermine. Et ensuite, conduis-moi auprès de ces misérables nabots. Bâtard, quel hein? Je vais te transformer en poireau. Où peut bien être cette fameuse formule? Écarte-toi de mon chemin, j'ai d'autres schtroumpfs à fouetter. Gargamel, Azrael. Les schtroumpfs est belle. Oh, la formule du grand schtroumpf. Mais le schtroumpf à lunettes a disparu. Disparu? Je parie qu'il est allé aider Gargamel à nous trouver. Vite, il faut emmener le grand schtroumpf et aller se réfugier quelque part. Pourvu que ça schtroumpf, sinon tous les schtroumpfs sont perdus. Je lis cette formule à voix haute et claire. Grand schtroumpf, on ne sait vraiment plus... Ah non, pas question, c'est encore un mauvais tour de Gargamel, n'est-ce pas, traître? Mais pas du tout. Je lis cette formule à voix haute et claire. Grand schtroumpf, on ne sait vraiment plus quoi faire. Schtroumpf à lunettes, schtroumpf costaud. Oh, grand schtroumpf, vous êtes réveillé. Je l'avais dit, mais non, là, personne ne veut m'écouter ici, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se schtroumpf ici? Gargamel!
ici tout de suite. Je veux des schtroumpfs. Je veux pas Azrael. Mais qu'est-ce qu'on va faire, grand schtroumpf? Je ne sais pas, schtroumpfette. Attendez. Cet onguent inutile n'est peut-être pas si inutile que ça, après tout. Mais j'ai besoin d'aide. Venez à Gargamel, mes petits nabots bleus. Azrael pourra pas m'attraper. Attention, je trouve costaud. Ouais, je trouve. Il pourra pas m'attraper, Azrael pourra pas m'attraper, l'air. Feu. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ressemble à un chat? Mais ouvre un peu les yeux, je ne suis pas celui que tu crois. Oh, arrête! Arrête, stupide caniche, je suis ton maître. Les effets de la potion vont bientôt s'estomper et le pauvre vaurien va apprendre à ses dépens que les schtroumpfs ne sont pas aussi schtroumpfs qu'elles paraissent. Ça, nous, on l'a appris aujourd'hui. Excuse-nous, on t'a condamné un peu vite, schtroumpf à lunettes. Enfin, excuse-nous, on t'a condamné un peu vite, schtroumpf à lunettes. Effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire, n'est-ce pas? C'est non seulement impardonnable, mais cette erreur serait ajoutée à la liste des reproches que l'on va vous faire, n'est-ce pas? Car vous avez tous profité du sommeil du grand schtroumpf pour... Bon, ça prouve que la vie a repris son cours normal, n'est-ce pas ?